Bonjour à tous, je suis Armelle Pignoux, rameuse à l'aviron grenoblois, mais aussi coach forme et santé à domicile et en entreprise. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit circuit de renforcement musculaire que je vais vous montrer tout de suite. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un tapis, d'un manche à balai et de deux haltères. Alors, le circuit va s'articuler autour de quatre exercices que je vais vous montrer un par un. Et nous allons réaliser une pyramide, c'est-à-dire que nous allons commencer le circuit avec 5 répétitions, puis 10, 15 et 20. Ensuite, redescendre à 15 répétitions, 10 et 5. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier exercice, squat touch. Donc, c'est pas compliqué, il va consister à faire un squat. Mais pour ajouter de la difficulté, il y aura un petit saut et au moment du squat, vous allez devoir toucher le sol en alternant main gauche, main droite. Voilà, comme ceci. Et je rajoute un saut. Donc pour cela, je fais attention à bien écarter mes jambes au-delà de la largeur des épaules. On ouvre les pieds maximum à 10h10 et je garde le buste le plus droit possible. On ne s'avachit pas, on ne rentre pas le bassin. Hein, on a toujours le bassin qui est placé en antéversion. On va faire les 5 premiers. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche. Deuxième exercice. On va travailler les obliques. Donc, je saisis mes haltères et on va venir en gardant les abdos bien serré, les lombaires aussi, bien maintenus, hein. Je ne suis pas avachie, je suis bien droit. On va venir descendre d'un côté, puis de l'autre. Donc faites glisser votre haltère le long de la cuisse et ne descendez pas en dessous des genoux. On en fait 5 de chaque côté. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Troisième exercice, on va faire un tirage bras avec le manche à balai qu'on a utilisé pour l'échauffement. Donc je me mets bien en appui sur mes cuisses, sur mes quadriceps. Je penche un petit peu le buste en avant. On a le bassin en antéversion qui est dans la même position que la position squat. Le bâton et sur les genoux et je vais venir le monter au niveau de ma poitrine. Voilà, donc on va en faire 5 comme ça. Là, ça va tirer dans les lombaires, on garde les lombaires solides et tenus. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On en profite pour toujours garder les abdos serrés. Alternative, ceux qui trouvent ça trop facile, vous pouvez prendre vos haltères et faire la même chose. 1, 2, et ainsi de suite. Et ensuite, quatrième exercice, on va le faire au sol. Je me mets sur mon tapis en position planche et on va devoir venir toucher les épaules. Allez, pour ceux pour qui ce serait trop difficile, vous vous mettez en position planche sur les genoux. Et pareil, vous venez toucher les épaules. Mettez un petit coussin pour vos genoux. On est parti pour 5 de chaque côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et je relâche. Et ensuite, on va avoir 40 secondes de repos entre chaque tour. Je récupère et j'en profite pour boire un coup. Voilà. Ensuite, on va attaquer avec 10 répétitions pour chaque exercice. Donc si jamais il y a des personnes qui n'arrivent pas à suivre le rythme, c'est pas grave. Faites moins de répétitions. Le but, c'est toujours de faire attention à ces positions. Il reste 10 secondes. Hop. On est parti pour 10 répétitions. Attention,
C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. On enchaîne avec les obliques. 10 répétitions de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gardez les abdos serrés, 7, 8, 9, les lombaires tenus, et 10. Et on souffle bien. Quatrième exercice, je prends mon manche à balai, je me mets en place solide sur mes appuis, lombaires tenus, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche et je passe au sol pour le gainage mains aux épaules. 10 répétitions de chaque côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Attention, on est parti. 40 secondes de récupération. Chrono qui se met pas en route. Hop, les aléas du direct. Allez. Allez, il reste encore quelques secondes. Cette fois, on va passer à 15 répétitions. N'oubliez pas de tenir vos positions correctement. On est reparti. Attention, celui-là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je tiens mes lombaires, 10, 12, 13, 14 et 15. Et je relâche. On passe au deuxième exercice. Les obliques. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soufflez bien, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et je relâche, je reprends mon bâton, hop, position, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, soufflez bien, 6, 7, tenez les lombaires, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et enfin, on repasse au sol, on ne triche pas, 15 répétitions de chaque côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tient, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et relâche. 40 secondes. Allez. Reste solide. N'oubliez pas de vous hydrater.
20 secondes. Soufflez bien. On ne s'assoit pas, on reste statique. Et on va passer à 20 répétitions. Allez, c'est bientôt la fin. Attention. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donnez les lombaires. 9, 10, 11. Allez, on continue. 12, 13. Soufflez. 14, 15, 16, 17. Allez, c'est ça. 18, 19 et 20. Allez, les obliques. On enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tiens les abdos, 15, 17, 18, 19 et 20. Yeah, on est solide. On enchaîne, troisième exo. Je tiens mes lombaires et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, on tient. 16, 17, 18, 19 et 20. Hop! Dernier exercice. Le plus dur, on ne triche pas, on tient. N'oubliez pas que vous pouvez le faire sur les genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, vous êtes solide. 15, 16, 17, jusqu'au bout. 18, 19 et 20. Ouais, c'est super. On est reparti pour 40 secondes de récup. Et cette fois, on va attaquer déjà la descendante. Donc on sera reparti pour 15 répétitions. Allez, il nous reste encore 20 secondes. On souffle bien. Pensez à vous hydrater. Allez, 10 secondes. Voilà. Un petit peu de vent, ça fait du bien. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on tient. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On passe aux obliques. Je reste solide sur mes appuis. Abdos serrés et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jusqu'au bout, 14 et 15. Troisième exo. On tient les lombaires. 1, 2, 3, 4. On met bien à la poitrine. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Tac. Et enfin,
gainage épaule. Allez, c'est parti. On a fait le plus dur, ça tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Yeah! C'est bien. Allez, 40 secondes de récup. Et ensuite, on passe à 10 répétitions. Comme d'habitude, soufflez bien. Si vous remarquez des douleurs anormales sur certains exercices, repensez bien à la bonne tenue de vos positions. Allez, encore 20, encore 10 secondes et on attaque 10 répétitions. Allez, ça tient, on a fait le plus dur, c'est bientôt la fin. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, les obliques. Toujours bien en appui, bien solide, abdos serrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tirage poitrine. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je repose. Dernier exercice. On triche pas. Si c'est trop dur, je fais sur les genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, c'est bien. On est parti. 40 secondes de récup. Pense à s'hydrater. Allez, il nous reste encore 20 secondes. On tient. Et là, on va passer à 5 répétitions. On les fait à fond. On pense toujours à ses positions. Hop. Attention, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On passe aux obliques. Les derniers, solides. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, troisième exo. Tirage poitrine. Allez, je le fais dans ce sens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, hop, dernier exercice, celui qu'on attend tous. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est terminé. Ouh. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, souffler un peu. N'oubliez pas de bien vous hydrater. 2 litres d'eau par jour, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, eh bien écoutez, c'est l'occasion de vous lancer dans cette nouvelle habitude. Je suis ravie d'avoir partagé cette séance avec vous. N'oubliez pas aussi de réaliser quelques étirements et on se retrouve très vite. Restez chez vous. Salut !